World War I is up here, World War II is down here, a few victims, and this is the one that we put in. So this is for you. Does that look familiar? Des souvenirs? Est-ce que je lui ai demandé si il se souvient de cela? Voilà, c'est ça. Seemed to me that they were in the woods. Il se souvient que c'était plus dans la forêt, qu'il y avait plus de bois. Mais c'est très possible que ce soit déjà comme ça. Qu'on a changé tout ça. Now which direction now would have been the ocean? The Germans would be that direction. Il se souvient que la grange était derrière lui, pas devant. C'est aussi parce qu'il était soldat ordinaire, pas officier. And the foxholes of the soldiers were out on the front line, and then your officers had foxholes behind you. Donc les tranchées des soldats ordinaires étaient devant les tranchées des officiers. Bien sûr. Donc si les officiers étaient là, et puis les soldats ordinaires seraient auraient pu être ici. Devant. If you were in a foxhole looking at the battlefield and the barn was behind you, yes, would the foxhole of the officers be on the other side of the barn, or would they be in front of the barn? No, I thought Smith said that they stayed in the barn, didn't they? He said there was a barn, but he didn't. Did you say that sometimes the soldiers would sneak into the barn? No, he said that. Oh, he said that. Yeah. Alors attention, si c'est peut-être une grange en bois, elle a peut-être pourri depuis. Hein? It's possible that there was a wooden barn that's no longer here. Donc c'est possible que c'était une grange de bois qui n'est plus là. Qu'elle est pourrie, qu'il n'est pas refaite, et qu'ils aient refait une grange en dur. Donc il y avait deux soldats par tranchée. There were two soldiers in each foxhole, correct? Yes. Well, not necessarily, no. Two guys that dug the big hole, but I think I was by myself. Donc parfois il y avait deux soldats dans une tranchée et parfois seulement un. Now, once you have a tranchée, les dimensions de la tranchée. Comment? Les dimensions de la tranchée. What were the dimensions of the foxhole? Three or four feet. It was narrow. We were taught, you know, to. Maybe un mètre, so 1 meter wide, you know, 3 feet wide, yes, and 2 meters long, and six feet, peut-être deux mètres. What that be. Because we were taught, you see, to dig small enough that we could get in there, and a tank could run over. Okay, so on leur a enseigné de faire la tranchée aussi petit que possible pour que s'il y a un char qui passe, ils puissent passer par-dessus sans les écraser, sans tomber dedans. Right. Et oui, so that c'est évident. Yes. Now, once you had a foxhole, how close was the next foxhole? Seemed to me like the guys were as far as so peut-être une dizaine de mètres, about 10 yards. Yeah, I don't think between each of the foxholes. Entre les tranchées, c'était à peu près 10 mètres. Yeah, I don't think it was a regulation. We just, you know, when they said dig in, you got your trench tool out and started. Now, Mr. Shumway tells the story of going out to be a forward observer one time for the artillery. He said he climbed up a tall tree, and then there was another tree right beside it. When he was up there, he could see the Germans, and then all of a sudden, the big 88 shell came and took out the tree beside him. And then he said, I don't think I should be here. We're wondering if that might be the tree. But that tree is full of shrapnel. And we went down in that field and we found a ton of shrapnel. Trees in the area. Il se souvient de plus de bois. Plus de bois, plus d'arbres. On va chercher Monsieur Lunel, vite fait. Ouais. Il était là, derrière. C'est ça même, vous voyez que je dis. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'est la laiterie, c'est la laverie, c'est qu'on faisait le beurre, voilà. La crème, le lait. C'est ça que j'allais vous dire. Il dormait derrière au fond, ouais. À la porte d'abord. Les officiers. Il avait son ordonnance. Mon père et ma mère étaient venus. Ma mère cherchait
Il pleurait au pied de l'escalier, là. Comment il s'appelle, le lieutenant? Martin. Il lit sur la plaque, là-bas. Martin. Et Martin. On était le 12 ou le 13 juillet. Martin, oui. Qui est mort avec cette... Il est mort à l'intérieur, là. Ah, mais donc, les pièces dans le mur, en terre, là, ce que j'ai retrouvé. Alors, je voudrais bien savoir à quoi ça servait. So what is this? He found this. C'était américain, c'était anglais. Is this American or English? Do you recognize this? No. Et ça, à quoi ça sert? C'est pour ouvrir les boîtes de conserve, non? C'était pour les... Oui. A can opener. C'était... Hey, did you eat spam? Well, it tourné. No, we didn't have spam in our... Alors, comme j'ai trouvé encore, elle était propre, elle était de couleur jaune-vert. Yes. Okay. Il y avait quelque chose d'écrit, mais après non. Et j'ai laissé à l'air libre. C'est ça pour ouvrir les boîtes de... Ah ouais. Mais je voulais savoir de conserve. Sea rations. De conserve. Des rations. Les rations de C. Les rations C. C. Les rations C. Ah, les C. Le carbine, là. Smarty. Come on, Doug. Get over here for the photo. Yeah. I like the big side, the young one. Okay, go for it. So this is the part where right here, a German artillery shell hit this building, and behind it was Charles Martin, whose name is on the plaque, and that's when he was killed, when this artillery shell hit right here. And we're glad to have Doug Brown here with us, okay, who served in this area. Okay. Là, il y avait un chemin, et là, il y avait des tranchées de chaque côté. Okay. Et là, there il y avait... There was a path, and there were foxholes on both sides of the path. Okay. Et là, il y avait deux arbres, là. Deux quoi? Deux arbres. Là, à côté de la haie, et le lieutenant Chaudouet a monté dans un, il avait juste eu le temps de sauter, parce que les Allemands l'avaient vu, ils ont mis un obus d'incendiaire dedans, mais il avait trouvé d'arbres. C'est ça, le lieutenant Chaudouet. Oui, oui. So those two big trees, where Lieutenant Chaudouet climbed up, were just over in this area. So, qu'il y avait deux arbres qui étaient plus grands, there were two trees much taller, qui sont partis, that are no longer there. Ils avaient vu qu'ils montaient dedans. Ils n'ont pas lancé une bombe, un obus incendiaire. Le feu a monté dans le... Mais ils ont tiré dans le frein, ils n'ont pas tiré dans l'eau. Heureusement, il était au pied. Il a eu juste le temps de s'échapper. Oui, oui, oui. Et vous étiez où, là, quand vous avez vu ça? Ah ben, nous, on était partis. C'est-à-dire, parti. Le premier Américain, quand il a revenu, on était là. Il montait la cheminée. D'accord. Et comment vous l'avez su, cette histoire de monsieur de l'arbre et de monsieur Chaudouet? C'est monsieur Chaudouet qui s'est rappelé de ça. Oui, c'est une observation. Mais toujours là, en front des officiers, pour protéger les gens. Donc, si vos foxholes étaient ici, comment far back would the officer foxholes be? Were they usually 20, 30 yards? Probably. Depend on their... Another. I own land, but it's farmed. Oh, okay. For corn, maize. Eli, une ferme. Not maize. Eli, une ferme à l'état de Virginie de l'Ouest. Ah oui, ah oui. En Amérique. Ah d'accord. Il connaît bien le business de la ferme. Mais nous, on a plus de business à faire avant. Combien de centaines d'hectares? How many acres? I have, I own 409, it was 409 hectares. It was a poor house. 409 hectares, wow. My father-in-law and I thought we were going broke, so we better buy the place. Il a acheté de son beau-père. Ah ouais, d'accord. My home. Ok, mais we'll tell this in English, en anglais, puis en français. Quand il était là, when he was here, there was a cow. And he came and he found the cow and he actually milked the cow and filled his canteen full of milk. Donc il était là, il avait une vache et il a fait comme ça. Il a trait pour remplir son ah oui il avait son quart la verre de son quart de lait. Ouais.
Oui. Did you tell them the guys thought the milk came out? Mais là, il avait mangé le beurre, là. Il était, il était le seul soldat qui pouvait faire... Qui savait traire. Oui, oui, qui savait le faire. Il y avait des autres soldats qui pensaient que... Oh, je pensais que le lait vient d'une boîte. Déjà aux États-Unis. Il avait sûrement mangé du beurre de Normandie, là. Il a mangé du beurre de Normandie. Pas du encore, beurre là, hein? Parce que là, mes parents, quand on est parti le matin, ils avaient fait le beurre. Et puis, comme l'Américain, il avait dit, nous, on va enfoncer la ligne jusqu'à la route de Toruni. Seulement, ils sont arrêtés là, et puis, yes. Ils ont mangé le beurre. Il avait une tranchée pour le Mutusol. Il avait une by yourself. Yes. Et juste à sa droite, il y avait une grande tranchée avec deux hommes. Avec une grande couverture. Head steps. Il y avait des étapes. Oui. Souterrain? Pour rentrer dedans. Oui, elle était grande, alors après. It seems to me that if you were on the front line, that you wouldn't be at a place where you can't see, right? So I would think you would have to be up on the other side. Parce que là-bas, l'autre, là, il y a vachement. Oui. Barn up there. I was in front of the barn. Il était devant. Lagrange. Donc c'était des officiers. Et là qu'il avait tous ces radios, tout ça, c'était là. So he had radios and all that kind of stuff. C'était le bureau. Ces câbles téléphoniques, il passait là, il s'en allait dans le chemin, et il allait au bord de la batterie. Okay, here basically the radio wire, there would be the wires that would be run from here along that hedge and then back to the town of Levac. Il allait au bord de la batterie là. And they were, and back there was the artillery. Yes, behind us. Il se souvient bien de l'artillerie. Ah oui. C'était derrière lui. Everybody was behind us except us. Okay. So they put this flag up to honor you, by the way. La tranchée était là. Okay. Oh, that's good. Comme il n'y a pas d'herbe, ça va, je la retrouve. Oui. Comme il y a de l'herbe, je la retrouve. Ah, puis il y a un petit creux, quoi. Ben oui, mais après, comme il y a de l'herbe. So come over here and stand by the flag. You want me to climb? For a picture. Yes, we want you to climb up there. C'est Hippo qui l'a mené. Il veut monter. Ah oui. Ah, il est plus grand que toi là, hein? Vous aviez 6 ans quand il était là, oui. La première fois. Oui. Bon. Ok. Merci, pour dire. Thank you. À l'année prochaine, alors. Ah, l'année prochaine, oui. Mois de juin. D-Day. Tu crois qu'il va revenir avec son fils? Ah oui, oui, oui. Bah oui. Et quand il revient, il aura du temps pour notre café. C'est très bien. Bon, alors, c'est bon. Come with me when moonbeams are high, light Tahitian skies, and the starlit waters linger in your eyes. Native hills are calling, ha ha. Cheer each other.